Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième numéro de HP Hour, vous savez, l'émission locale qui vous parle de vous, de nous, de vos amis. Eh bien, en parlant d'amis, justement, dans quelques instants, je rejoindrai nos chroniqueuses de charme. Tout d'abord, Claire, vous le savez, qui nous fait découvrir chaque semaine les subtilités de la langue anglaise. On continuera après pour sculpter notre corps avec Eléa et ses sports de combat, dont c'est la spécialiste. Et puis pour finir, la décalée Mondine qui viendra nous présenter une nouvelle création. J'espère que vous êtes prêts, bien installés. C'est parti! Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce deuxième numéro de HP Hour. Vous le savez, j'espère que vous avez pris le rythme parce que nous on commence à s'y faire avec mes collègues chroniqueurs que je vais d'ailleurs vous présenter. Bienvenue Elena, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va, merci. Alors est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs fidèles et ceux qui vont le devenir, ce que tu viens faire dans cette émission? Donc moi je vais m'occuper des chroniques des sports de combat et arts martiaux qui se pratiquent dans la région. Super, on va enchaîner avec notre amie Claire ici présente qui vient nous apporter un petit peu de, alors j'allais dire de soleil d'outre-manche, je sais pas trop oui, si c'est le terme. Si, on peut le dire. D'accord. Donc un peu de soleil et un peu de culture anglaise, et cette fois-ci ce sera plus de la culture américaine, puisqu'on va partir aux États-Unis pour parler de Thanksgiving. Alors qu'est-ce que c'est donc que cette fête, voilà, pourquoi, comment, où et avec qui, on saura tout avec Claire justement dans quelques instants. Et puis alors il nous manque notre troisième chroniqueuse qui nous fait toujours des apparitions spectaculaires, pardon, où est-elle? C'est Mondine. Mondine, bonjour. Bonjour. Alors on retrouve Mandine comme chaque semaine, de quoi parle-t-on cette semaine? Enfin qu'est-ce qui va se passer? Que vas-tu fabriquer avec tes petites mains pleines de doigts? Il y a du nouveau dans mon bac jaune, car j'ai cuisiné une omelette et qu'est-ce que je fais de la boîte à œufs? De la boîte, je la récup et je vais la transformer en pavot. En pavot? C'est-à-dire? Un gentil coquelicot. D'accord, ok. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Comment on peut faire ça? Alors, chez nous? Alors c'est tout simple. Il faut d'abord un ciseau qui coupe bien les doigts. D'accord, donc ne laissez pas vos enfants seuls. C'est ça. Voilà, alors je vais découper le compartiment où il était bien calé, le petit œuf. Et puis je réduis menu des pétales et j'extrais le cœur. D'accord. Donc c'est un véritable massacre que vous allez me laisser faire. C'est ça, et on te retrouve. D'accord. Donc on te laisse massacrer la boîte à œufs. Et on se retrouve. On te retrouve au fil de l'émission. On refera un petit point vers toi pour voir où en sont donc ces coquelicots. Ça me laisse l'occasion de donner la parole à notre amie Elena. Donc, elle vous l'a dit tout à l'heure, un sport de combat. Voilà. C'est une phrase en fait où il n'y a pas de début, donc, pas de fin. Je ne sais plus comment arrêter. On va donc voyager sur un autre continent ce soir. Puisque je vais vous présenter donc un sport de combat qu'on présente plus anciennement comme un art martial. Puisque c'est un art martial afro-brésilien. Donc, on parle de la capoeira. D'accord. Voilà. Donc la capoeira est née au Brésil en toute clandestinité au XVIIIe siècle, puisqu'elle a été créée par les esclaves africains déportés au Brésil. Donc elle puiserait ses racines dans les méthodes de combat et de danse des peuples africains. Souvent quand on entend parler de capoeira, on pense d'abord à la danse et pas forcément à voilà, un sport de exactement, combat. Voilà, exactement, puisque c'est assez ludique. Hein, donc c'est de la danse, de la lutte. Avec du sport de combat. D'accord. Donc la capoeira arrivera en France donc, par la venue des maîtres brésiliens donc, depuis à peu près une cinquantaine d'années. Donc elle se distingue des autres arts martiaux justement par son côté ludique, acrobatique, avec ses techniques d'autodéfense, de danse et de lutte. Voilà. Donc les pieds sont mis à contribution énormément dans cette danse, ainsi que les mains, la tête, les genoux, les coudes. Donc des figures acrobatiques en appui ou en équilibre sur les mains pour amener justement les coups de pied qui sont mis en place. D'accord. Donc ça se présente tout simplement en fait dans un cercle en fait. Les combattants sont dans un cercle formé par les spectateurs ou les combattants qui attendent leur passage. Voilà. Ah oui, ils se relient en fait. Voilà. D'accord. Donc, les combattants et les spectateurs autour du cercle jouent de la musique,
Donc, avec la musique, un instrument principal qui est le berimbau. Donc c'est le genre de musique qu'on peut entendre là. Voilà, exactement. Le berimbau et également aussi le pandero. Donc le berimbau c'est un genre d'arc. Oui, parce que je dis oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est un genre d'arc avec un petit caillou et puis donc on joue de la musique comme ça. Voilà, donc si vous aimez la danse, la musique, vous avez envie d'égayer votre quotidien tout en faisant donc un sport de combat et de gagner en souplesse, la capoeira donc est faite pour vous. Alors donc si vous êtes intéressé, Elena, par ce sport, cette danse, cette danse sportive, où est-ce qu'on peut en faire à Tarbes? Alors, en fait, plus exactement à Aurillan. D'accord, je ne connais pas. Je vais vous donner l'adresse ensuite, puisque en fait, ce qui est intéressant avec la capoeira, pour les parents qui veulent inscrire leurs enfants qui ont moins de 6 ans à un sport de combat, il y a le baby capoeira. Donc, vous soyez enfant, adulte, adolescent, voilà. Peu importe, la capoeira, elle s'ouvre à tout le monde. Donc, vous pourrez aller vous rapprocher de l'espace multisport à Aurillan. D'accord. Donc, les cours pour adultes sont dispensés donc, le mardi, le lundi, le mardi et le jeudi de 21h à 22h30. Le cours baby capoeira dans le même créneau horaire le mercredi à 15h. D'accord. Et donc, pour étape, vous accueillera avec gentillesse et passion. Donc, n'hésitez pas à vous lancer vers ce sport. Super. On vous mettra un lien avec donc les horaires détaillés si vous voulez vous renseigner ou inscrire vos enfants, vos parents, vos grands-parents. voilà, donc sur la page de l'émission. Merci Elena, merci beaucoup. On va faire un petit passage vers Mandine pour voir où elle en est dans son massacre de boîte à œufs. C'est bien avancé. Ah oui, c'est ça. C'est magnifique. C'est ça, c'est énorme. Je... C'est... Voilà, donc maintenant, on passe à l'opération peinture. On prend un rouge bien sanguinolent que je vais badigeonner. D'accord. Pour faire le cœur, je prends bien sûr l'obscur, funeste et dramatique noir, car la fin est proche. Ça va mieux, Mandy, là. D'accord, ok. Donc là, on te laisse faire, tu t'as besoin de nous, on t'abandonne lâchement et on vient... Non, ça veut dire qu'à la prochaine étape, tu auras fini alors. Tu auras un magnifique coquelicot à nous présenter. Presque. C'est énorme. Très bien, merci beaucoup. Après les coquelicots, on va rien avoir, sans transition, on va passer aux dindes. Voilà, vous en tirerez les conclusions que vous voudrez. Donc Claire, on t'écoute. Donc pour Thanksgiving, donc il va se dérouler le jeudi 27 cette année. Là, donc là dans cette semaine, cette semaine. Dans Thanksgiving, aux États-Unis, ça se déroule toujours le quatrième jeudi du mois de novembre. Mais ça, ce n'est qu'aux États-Unis. Et on sait pourquoi ? Il y a une raison ? Oui, il y a que le quatrième jeudi, non, mais après, c'est à cette époque-là parce que c'est l'automne, que c'est la fin des récoltes. Ouais. Et que c'est pour commémorer cette récolte et le fait que les Indiens, à une certaine époque, ont aidé très gentiment nos amis, les premiers colons qui étaient venus s'installer sur le continent américain. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les premiers colons qui sont venus s'installer, au bout d'un moment, ils n'avaient plus rien à manger du tout. Et donc, ils s'étaient bien embêtés. Et donc, les Indiens, qui étaient très gentils, leur ont appris à pêcher, à cultiver certaines céréales. Et donc, les colons qui étaient gentils aussi à l'époque... Ce que j'allais dire, ils les ont remerciés depuis de commencer. C'est ça, voilà, exactement. Voilà. La couleur rouge sanguinolente sera... Ouais. Comme quoi, il y a une cohérence. Exactement. Et oui, rien n'est fait au hasard dans cette émission. Exactement. Alors donc... Et donc, les colons leur ont organisé un repas pour les remercier de ce don qu'il leur a donné. D'accord. C'est donc l'origine, ouais. Thanksgiving vient de la thanks, donc remercier, et giving, c'est l'action de donner. Et en français, nous, on dit plutôt l'action de grâce. Voilà. Donc juste pour vous donner une petite idée de ce qui est mangé à ce moment-là, il y a de la dinde farcie, voilà, de turkey. Il y a de la purée de pommes de terre ou de patates douces aussi, qui est très très bon. Ça y est, j'ai fait. De la sauce de canneberge. Vous avez aussi des haricots verts, de la tarte aux pommes, de la tarte aux noix de pécan, qui est très très bonne aussi, voilà. Il peut y avoir aussi du gâteau au potiron. Ou de la tarte de patates douces, avec forcément un peu d'eau et un peu de vin à boire avec modération. Tout à fait. Voilà, voilà. Et juste si vous voulez vous amuser avec vos enfants,
leur faire faire une petite activité pour ce jour-là, qui est un jour férié aux États-Unis. Ouais. Les entreprises ferment et les écoles aussi, parce que c'est l'occasion de se regrouper en famille et de faire un énorme repas. Vous pouvez leur faire faire une petite dinde avec leurs mains. Voilà, juste un petit côté récréatif. Et on peut l'embrocher, la dinde aussi. Voilà, voilà. Tu peux lui faire manger des coquelicots si tu veux. On mettra aussi sur la page de, voilà, de l'émission le visuel de cette activité et puis peut-être la marche voilà à suivre. Voilà, tout à fait. Prendre la main, etc. etc. Pourquoi on n'a pas d'équivalent en France de cette non, fête de et, non. Et du coup, Elena, c'était une question, n'hésite pas à me... Moi j'aurais associé ça à Noël, non? Mais non, c'était ma question. Du coup, qu'est-ce qu'ils mangent à Noël et qu'est-ce qu'ils font à Noël? Il faut un peu. Il y a aussi de la dinde à Noël, mais Thanksgiving c'est aussi le début des fêtes. C'est à partir de Thanksgiving que c'est les préparatifs pour Noël. D'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup Claire. You're welcome. On sait tout maintenant sur Thanksgiving, c'est énorme. J'ai envie de dire que je reviendrai bien sur Mandine pour voir où elle en est de son coquelicot. Il me reste le cœur. Et le cœur, comme chacun sait, c'est la chose la plus importante. Voilà, c'est... Voilà, donc le cœur qui est en noir... Hein, voilà, qui est en deuil, hein. C'est ça. Mais en attendant que le coquelicot s'achève, je vais vous donner quelques infos. Vous savez qu'on tourne cette émission chaque semaine à l'Artelier, qu'on remercie de nous accueillir. Et il y a tout un tas d'ateliers qui vous sont proposés, notamment de l'aquarelle et toutes les techniques de peinture avec Michel Delage. Ça, c'est de 15h à 17h tous les mardis. Si vous êtes passionné par le dessin, puisqu'on parle d'activités manuelles et créatives avec Mandine, vous avez aussi Majid qui vous propose de vous accompagner dans votre dans l'art du dessin, dans votre création du dessin, vous choisissez ce que vous voulez dessiner, et il est là en support pour vous accompagner dans cette pratique créative. C'est de 10h30 à 12h30 tous les vendredis. Vous pouvez le retrouver également le vendredi après-midi de 18 à 20h. Là, c'est pour du modelage. Donc, on m'expliquait modelage, sculpture, tout ça. Tous les renseignements également sur notre site, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, sur la page Facebook de l'Artelier, vous avez les horaires de tous les ateliers qui vous sont proposés. Ce qui me fait penser, les filles, parce que vous vous exposez en photo nuit et jour sur Facebook. Nous avons une page, vous avez une page Facebook de HP Hour. N'hésitez pas à y aller. Vous tapez dans la barre de recherche en haut de Facebook HP Hour. Et donc, on peut retrouver les photos du tournage, les émissions en ligne, etc. Des pépites, c'est ça. Les choses qu'on ne peut pas vous montrer ici. Voilà. Alors, Mandine, où on en est? Bien sûr, on en a plein les mains. Oui, voilà, mais ça c'est normal, c'est ce qui nous plaît. Voilà, ensuite je prends une pique à brochette qui pique bien les mains, bien sûr. Oui, c'est ça. Que j'ai préalablement enduit de verre pour faire la tige du coquelicot. Et puis, sans hésitation, j'embroche le gentil embrochons, c'est parti. Voilà, jusqu'au cœur. Oui, c'est ça. Voilà, il n'a rien senti. Non, rien du tout. Voilà. Voyons, maintenant, voilà, mais pour le fixer quand même, oui, je vais l'achever avec mon pistolet à colle bien chaud. D'accord. Alors là, c'est pareil, hein, c'est pareil, j'ai du mal aujourd'hui. Le pistolet à colle, hein, vous utilisez ça bien sûr avec un adulte responsable, hein, vous surveillez vos enfants. Du tout. Non, voilà. C'est sans danger. C'est ça. Voilà. Et voilà, j'en ai terminé avec lui, donc maintenant je peux aller manger mon omelette. Bon appétit! Merci, Mandine! C'est énorme. Donc on va en faire plein pour faire un bouquet, c'est super. Voilà. Merci beaucoup. Mais écoutez, j'ai envie de dire, c'est sur cette bonne nouvelle avec les coquelicots qui nous apportent un peu de soleil, puisque là on entre carrément dans la période hivernale, que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Elena. Merci, Steve. Merci, Claire. You're welcome. Et merci, Mandine. La semaine prochaine, nous retrouverons Elodie, Rosen et Véro qui viendra nous parler cuisine. Vous verrez, ça sera tout à fait intéressant. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours. Merci à tous, bonne semaine, à bientôt.